quelque chose d'extraordinaire. Mahas. Dieu est sur le point de faire quelque chose de merveilleux pour toi. Yes. Dis-lui, je ressuscite ce qui est mort en moi. Yes. Il est venu sur la terre et il t'a donné sa vie. Ah. Il est mort pour toi. Et quand il est ressuscité avec des présents, des cadeaux pour toi. Dis-lui, en ce jour, ressuscite en moi ce qui est mort. Je me souviens de ce jour où ta grâce est tombée sur moi. Ne me laisse pas tel que je suis. Ah. Je me souviens de ce jour où ta grâce est tombée sur moi. Je me souviens de ce jour. Alléluia, tu vas ouvrir les yeux et je veux en quelques 5 minutes t'exhorter à quelque chose. Ésaïe le chapitre 1. Ah, j'aime la parole de Dieu. Ésaïe le chapitre 1, le verset 19, rapidement. Ésaïe chapitre 1, oui. Verset 19. Mm. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Amen. Dans certaines versions, il est dit, si vous êtes dans de bonnes dispositions, vous allez manger les meilleures productions du pays si vous êtes dans de bonnes dispositions et si vous m'écoutez. Il ne dit même pas que vous allez manger les meilleures productions du pays si vous priez, si vous jeûnez. Il dit, si vous êtes dans de bonnes dispositions et si vous m'écoutez, assurément, vous mangerez les meilleures productions du pays. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, écoute très bien ce que je suis en train de te dire. Si tu es dans de bonnes dispositions aujourd'hui même, là, là où nous sommes à l'école du ministère, jusqu'à la fin de la soirée, si tu es dans de bonnes dispositions et si tu écoutes tout ce qui sera dit, tu mangeras les meilleures productions. Ah, on dirait que ça ne t'intéresse pas. Je ne veux pas rentrer dans mon message de l'après-midi. Alléluia. Amen. Soyons disposés. Disposés, c'est quoi? Disposer, c'est déjà de dire à Dieu, si je me suis déplacé, si je suis venu, si je suis à l'école du ministère, c'est parce que je veux que quelque chose change en moi. Yes. Je veux être le vrai produit de ta résurrection. Jésus n'est pas mort en vain. Il n'est pas ressuscité en vain non plus. Jésus est mort pour pardonner nos péchés. Mais il est ressuscité pourquoi? C'est ça la question. On dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est mort afin de nous justifier. Et sa résurrection, il est ressuscité pour que ce qui est mort en toi prenne vie. Et aujourd'hui, tout ce qui est mort en toi prendra vie. Si tu dis amen bien, c'est de toi que je parle. Amen. Que les cieux s'ouvrent sur ta vie. Yes. Tu vas prendre ton offrande. Prends ton offrande. Prends ton offrande. Avec ta main gauche et tu vas parler sur l'offrande. Nous serons dans de très bonnes dispositions aujourd'hui. Et pour la suite du moment, Dieu va nous servir des poissons. Yes.
Prends ton offrande dans ta main gauche et dis à Dieu, je veux être dans de bonnes dispositions aujourd'hui, de sorte à recevoir ma part. Prends ton offrande et parle. Si ton offrande se trouve dans ton mobile money, tiens ton téléphone aussi dans ta main gauche et dis, donne-moi d'être dans de bonnes dispositions afin de recevoir ma part aujourd'hui. Yes. Si tu connais ce cantique, tu vas le chanter avec nous. Pendant que tu es en train de chanter, pense aux paroles et vois la grâce de Dieu descendre sur ta vie. Jésus n'est pas ressuscité en vain. Dis-lui, je me souviens de ce jour où ta grâce est tombée sur moi, où tu as accepté de me donner ta vie. Je me souviens de ce jour. Ah, my child, je me souviens, dis-le, ouvre ta bouche et dis-le, comment? Je me souviens de ce jour où ta grâce est tombée sur moi. Je me souviens de ce jour. Une dernière fois. Je me souviens. Alléluia. De ce jour où ta grâce est tombée sur moi. Je me souviens de ce jour. Amen. Tu vas te lever depuis ta place et tu vas venir faire ton offrande. Les pasteurs, et à la suite des pasteurs, tu pourras venir. Si ton offrande se trouve dans ton Orange Money, dans ton mobile money, Orange Money, tu feras le 07 2 x 49 59 86. Je me souviens de ce jour où ta grâce. Que tes greniers soient toujours pleins. Sur moi. Que Dieu ouvre la terre sous les pieds de tes ennemis. De ce jour. Sous les pieds de tes adversaires. Je me souviens. Je me souviens de ce jour où ta grâce est tombée sur moi. Je me souviens de ce jour. Gloire, gloire, gloire. Bien-aimés, les offrandes sont agréé à l'Éternel. Et tes offrandes parlent pour toi. Et dans le psaume numéro 6, verset 5, il est dit, reviens Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Quand on dit reviens, ce qu'il a été. Christ a vécu avec nous. Il a opéré tant de miracles. Mais Christ a connu la mort. Cette mort-là qui a attristé ses disciples. Beaucoup ont pleuré. Et se disaient, quel est cet homme qui nous aidera encore quand nous serons malades? Quel est cet homme vers qui nous allons partir pour trouver de quoi à manger, lui qui multipliait tant le pain. Et quand je me souviens de ce passage, je me rappelle que cet homme a ressuscité. Donc, pendant que tu es dans une attente, pendant que tu souffres, pendant que tu cherches et que tu te souviens que l'Éternel a déjà fait cela pour ton frère, fait cela pour ta soeur, tu vas prier l'Éternel. Alléluia. Tu vas dire, Éternel, reviens. Parce que tu es ressuscité pour moi. C'est pour moi aussi que tu es sorti. Car j'ai pleuré, mais je crois que tu sortiras de terre ce jour
pour ma liberté, pour ma santé, pour mes finances. Donc, tu as t'élevé et puis tu as prié le Seigneur avec moi. Bien-aimé, lève-toi parce que tu veux que l'Éternel s'élève. Lève-toi parce que tu veux que Christ sorte. Si tu t'assois, Christ ne sortira pas. Parce que pour qu'il ait la victoire, il est sorti, il n'est pas resté. Pendant que les hommes pleuraient, Christ n'est pas resté au tombeau. Donc tu vas prier que la maladie qui t'a fatigué, que les finances qui ont été bloquées, que en ce jour, par sa résurrection, cela sorte de là où cela a été emprisonné. Prie le Seigneur. Christ mort, Christ ressuscité. Nous te bénissons, Père éternel. Nous te rendons toute la gloire. Parce que tu n'es pas resté dans la terre. Tu es revenu et tu es ressuscité avec ma vie. Tu es ressuscité pour mes finances. Tu es ressuscité pour ma santé. Mon corps de terre, de chair, qui était mort, quand tu es ressuscité, tu es ressuscité avec ma santé. Bien-aimé, ton corps est fait de terre. La chair que tu portes vient de la terre. Si Christ a vaincu la mort, il est sorti du tombeau, sa maladie ne doit pas rester là. La maladie est une prison. Prie. La maladie est une prison. Dis, Éternel, reviens encore pour me sauver. Merci Père éternel, parce que tu ressuscites Seigneur avec nos vies dans ce jour. Père, nous crions à toi, nous attendons à toi Seigneur. Tu délivres notre âme Père, tu nous sauves Père, parce que tu reviens et tu sors en ce jour Père. Je déclare là où les finances avaient été enterrées, que la terre s'ouvre au nom de Jésus et que les biens de la terre se tournent vers toi. Là où ta santé avait été liée, je prie au nom de Jésus que la santé revienne maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, le victorieux sur la terre, sur ton corps, sur ta chair. La maladie s'en va, la vie apparaît. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire. Gloire. Je dis gloire parce que Christ est ressuscité. Gloire. Gloire. Tu vas prier encore. La Bible déclare que en ce jour, Christ est ressuscité. Et tu es ici pour un programme qui parle de bâtir une église d'excellence. Bien-aimé, on ne peut pas être excellent quand on souffre, quand on est dans une prison. Bien-aimé, tu vas prier. La Bible dit, dans le psalmiste, il dit, « Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Et les justes viendront m'entourer lorsque tu m'auras fait du bien. » Bien-aimé, la misère n'attire pas les gens. Bien-aimé, la maladie n'attire pas les gens. Au contraire, on te prend, on va te laisser à l'hôpital. Et on revient manger et on te laisse là-bas. Ce qui attire les gens, c'est la délivrance. Quand tu sors de ta prison et que le Seigneur te fait du bien, c'est ce qui peut attirer les gens. Je crois que c'est pour ça que tu es venu. Pour que le Seigneur te fasse du bien. Pour que tu puisses recevoir un enseignement qui va ouvrir ton esprit, qui va te transformer à ce que tu sois excellent. L'excellence, c'est au niveau de la santé également. Celui qui est malade, il ne peut pas vivre une vie d'excellence. Tu vas prier que l'excellence, la santé, tout ce qui est bon soit ton passage. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Merci Père, parce que tu le fais. Tu tires maintenant les âmes de leur prison. Des prisons de la misère, nous les brisons. Les prisons de chair, des âmes emprisonnées dans des corps malades, nous brisons la maladie. Des prisons de pauvreté, nous brisons ces prisons. Au nom puissant de Jésus. Et nous appelons une vie d'excellence. Nous appelons une transformation, Père, dans nos vies. Parce que tu es ressorti du tombeau avec un corps glorieux. Un corps qui traverse les portes. Un corps glorieux. Un corps vivant. Qui est différent de ce corps qui était emprisonné de la terre. Tu es sorti. Et ce corps-là a traversé les portes. Les disciples étaient en prière. Tout était fermé. Ils pleuraient, ils avaient peur. Mais tu es rentré, pas par la fenêtre, ni par la porte. Tu as traversé. Seigneur, c'est toi qui peux briser les prisons.
Je déclare que là où tu avais été enchaîné, tu sors maintenant. Tu traverses cette prison et tu sors parce que Christ l'a fait pour toi. Là où tes finances avaient été bloquées, tu sors pour vivre excellemment. Ta santé revient maintenant parce que la victoire a déjà été faite pour toi. Alléluia. Alléluia. Gloire. Gloire. Est-ce que tu peux dire gloire avec moi? Gloire. 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 Tu bénis le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Tu vas fermer les yeux un instant et tu vas contempler sa gloire. C'est sur ces choses que nous allons finir et tu vas contempler sa gloire. Tu vas fermer les yeux. La Bible dit qu'il est glorieux. Tu vas voir le Dieu qui est ressuscité. Pendant que tu es en train de voir Christ sorti du tombeau, tout ce qui était mort revient à la vie. Parce que c'est ce que tu vois, c'est ce que tu vis, c'est ce que tu entends, c'est ce que tu vis. Pendant que tu entends gloire, 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 regarde Christ sortir et vis ton excellence, vis ta gloire. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Merci pasteur, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Assieds-toi royalement. Alors je vais t'entretenir en quelques minutes sur quelque chose de très important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la bonne disposition. Dieu dit, si tu es dans de bonnes dispositions et si tu m'écoutes, tu mangeras les meilleures productions du pays. Amen. Amen. Alors, en quelques minutes, je veux t'entretenir sur un thème. Ce thème-là, il est très, très important. Comment se connecter réellement au prophète et son prophétique. Quelqu'un va dire, mais moi, je ne suis pas pasteur. Donc, votre histoire de prophétique, je ne suis pas dedans. Moi, je suis un homme d'affaires. Je veux que mes choses bougent. Amen. Mais vous savez, le prophétique par simple définition, nous sommes à l'école, non? Yes. Le prophétique par simple définition, qui peut me donner une définition rapide du prophétique? Dans le peuple? Ou bien dans la classe? Le prophétique, c'est quoi? Le thème d'abord, c'est comment se connecter réellement au prophète et son prophétique. Bon, déjà, on sait le prophète, c'est qui? Oui, le prophétique. Il y a un micro, tu vas répondre. Le prophétique, c'est le monde d'opération du prophète. Le monde d'opération du prophète. Bien. Une deuxième réponse et puis je commence l'enseignement. Une femme prophétique. Vous aussi. Bon, on va avancer. Bon, écoutez, le prophétique par simple définition, moi je vous dirais, oui maman, essayez, le prophétique. Le prophétique, c'est un message donné par un prophète, une voix divine. Merci, c'est bon. C'est bon. Tout ce que vous avez dit là, c'est bon. En fait, ce que vous avez dit, ce sont des molécules dans une grosse molécule. Le prophétique par simple définition, c'est la nature de Dieu. Yes. La nature de Dieu. Et quand on dit nature de Dieu, vous voyez que Dieu est immense. Hein? Il y a trop de choses en lui. Dieu est capable de révéler le passé, de révéler le présent, de révéler le futur. Et il est capable d'amener à matérialisation ce qui n'existe pas. Comment? La nature de Dieu, c'est ça le prophétique. Et on nous dit ce matin, comment se connecter au prophète et à son prophétique. Alors, Dieu s'est fait miniature. Il est rentré dans le corps de quelqu'un, un homme. Cet homme-là, je ne vous parle pas de Jésus aujourd'hui, je vous parle du serviteur de Jésus qui est le prophète. Donc quand je vous dis comment se connecter au prophète et à son prophétique, je suis en train de vous dire de façon implicite comment se connecter à Dieu.
Amen. Amen. Comment faire? Nous avons un prophète. Nous avons quelqu'un en qui Dieu s'est investi, notre père spirituel, le révérend père Dolski Joresio. Comment se connecter à lui et à son prophétique? Comment faire de sorte à ce que Dieu que je ne vois pas, parce que je ne vois pas Dieu, mais je vois mon père spirituel, je vois le prophète qui est devant moi. Comment faire pour me connecter à lui, donc me connecter à Dieu indirectement, et comment me connecter à la nature de Dieu par mon père spirituel, par le prophète? Alléluia. Amen. C'est très important. Je vais vous prendre une histoire simple. Je l'ai déjà enseigné, mais je vais revenir là-dessus. Et vous allez comprendre que pour toucher Dieu, c'est facile. Nous allons aller dans le livre de 1 Roi. My God. 1 Roi, le chapitre 18. On va aller rapidement. Oui, le verset, attendez. Verset 21. 1 Roi 18. Verset 21. Jusqu'au verset, attends, prophète, on va lire un peu, hein. Yes. On va lire un peu. On va lire jusqu'au verset 40. Donc on a 20 versets. Nous sommes en classe. Écoutez attentivement et vous verrez comment se connecter à un prophète et à son prophétique. 1 Roi chapitre 18 versets 21 à 40. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. 25. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. 27. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Et il se réveillera. 28. Et ils crièrent à haute voix et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Point. On va continuer. Passe au chapitre 19, je vais expliquer après. Passe au chapitre 19, lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Je lis la parole de Dieu. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. De Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Verset 10. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance.
Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Lisons le verset 15 et le verset 16 et je commence à prêcher. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Mehola, pour prophète à ta place. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de notre Seigneur? J'adore ce passage. Ce passage va nous aider à défendre notre thème. Comment se connecter réellement au prophète et à son prophétique. Comment? Voici une histoire que nous connaissons. La Bible dit, je vais rapidement survoler, vous connaissez l'histoire, qu'il y a un prophète du nom de Élie. Élie n'était pas seul prophète, il y avait des prophètes avec lui. Et voici qu'un jour, une femme du nom de Jézabel décide de tuer tous les prophètes de Dieu. Il est resté que lui seul. Il était en train de se promener un jour et les gens lui ont dit, mais toi, tu n'adores pas le Dieu que nous adorons là, parce que Israël s'était détourné du vrai Dieu. Et Élie a dit, mais non, pourquoi vous avez laissé le Dieu d'Israël pour aller adorer d'autres dieux? On va faire un duel. Dans ce duel-là, les autres prophètes, qui sont les prophètes de Baal, 450 et 400, ça fait 850, ils vont prendre un bœuf et ils vont implorer leur Dieu. Moi aussi, je vais prendre un bœuf. Je vais implorer mon Dieu. Le Dieu que vous connaissez, que vous avez laissé. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est lui-là que nous devons adorer. Israël a dit, il n'y a pas de souci, on est d'accord. Les autres prophètes aussi étaient d'accord. Voici que Élie demande donc les deux bœufs, les deux taureaux. Les 450 prophètes prennent un taureau et ils commencent à faire leurs invocations. Ils invoquent leur Dieu jusqu'à il est midi. Rien ne se passe, le feu ne tombe pas. Après, c'était le tour de Élie, le prophète Élie. Élie a dit, lorsque nous avons lu, Élie a dit, prenez le taureau. Mais avant de prendre le taureau, il a dit, prenez des pierres, faites l'autel, versez l'eau, faites tout ce que vous voulez. Ensuite, prenez le taureau, tuez-le, placez-le là. Élie a fait. Le Dieu de Élie a répondu. Yes. C'est magnifique. Et voici que, arrivé un moment, il dit, saisissez les prophètes de Baal. Il parlait au peuple. D'abord même, quand il a dit, mettez les pierres là, versez de l'eau, c'était au peuple qu'il parlait. Il avait choisi des personnes dans le peuple. Il dit, saisissez les prophètes de Baal. Le peuple saisit les prophètes de Baal et puis Élie les tue. Il est fort, hein, lui seul. Un monsieur court pour aller dire à la reine, ah, le prophète que tu as laissé là, il a fait mal, hein. Tous tes fils, il les a tués. Elle dit, ah bon? Allez-y lui dire qu'avant la nuit, ce qu'il a fait là, je vais lui faire ça. La Bible dit, quand Élie a entendu ça, il l'a fui. Il a laissé là son serviteur. C'est là que je commence à prêcher. Attends. Le serviteur d'un prophète est censé le servir. Mais comment se fait-il que lorsque Élie a besoin des personnes pour placer les pierres et placer le bœuf, il ne s'adresse pas à son serviteur, il s'adresse aux gens du peuple. Où était passé son serviteur? Question. Le serviteur qui est censé le servir, le serviteur qui est censé être son représentant, son remplaçant, le serviteur qui est censé se connecter à son père, le serviteur qui est censé le servir, comment se fait-il qu'il est présent? Mais Élie s'adresse à d'autres personnes qu'il ne connaît même pas. Excusez-moi, hein. Élie s'adresse à des personnes qui voulaient le tuer. Où était son serviteur? Comment? La Bible dit que quand il a réussi
a fait tomber le feu du ciel, que l'information parvenait qu'on devait le tuer, il a fui, pas avec son serviteur, il a fui seul. Il a laissé son serviteur là. Pourquoi? Parce que son serviteur n'a pas su se connecter à lui. La première chose, le serviteur de Élie ne croyait pas en lui. Son père lui disait, on va faire tomber le feu du ciel. Il dit, papa, faut laisser ça, ils sont 450. Ils ont tué les autres, toi ils t'ont laissé là. Ça ne te suffit pas. Le vieux, allons. Élie dit, donc tu ne crois pas en moi. Il dit, le vieux, je me rappelle avant, hein, quand vous étiez nombreux. Tu jassais. Là, tu es seul. Il faut laisser. Le serviteur avait commencé à ne plus croire en son père. Voilà pourquoi lorsqu'il partait, il a laissé là parce qu'il n'était pas digne de se connecter à lui et à son prophétique. Je continue. Arrivé quelque part, le prophète Élie se plaint. Il rentre dans une caverne. Vous savez, les prophètes, les pères ont toujours des secrets. Il est rentré dans un secret. Il allait seul. Parce que son fils n'a pas su se connecter à lui. Quand il arrive, qu'il parle, Dieu se révèle à lui. Dieu lui dit, mange et continue, parce que tu dois aller oindre Jéhu comme roi. Et oindre Élisée comme prophète à ta place. Mon cœur s'est fondu. Parce que je me suis dit, mais, et le serviteur de Élie? Normalement, là, c'est lui qui devait être le remplaçant de Élie. Mais Dieu n'a même pas fait cas de lui. Écoutez, tellement ce serviteur ne se connectait pas à son père et à son prophétique, même son nom ne connaissait pas. On dit le serviteur de Élie, on n'a pas dit son nom. Mais voici quelqu'un que Élie ne connaît même pas. Dieu lui révèle son remplaçant. Il dit, il s'appelle Élisée. Voilà pourquoi je vous ai dit, le prophète, le prophétique, ce n'est pas seulement les dons. Dieu a dit à Élie, tu vas oindre un président, tu vas oindre un roi. En plus du roi, tu vas oindre un prophète. Lorsque tu te connectes au prophète de ta vie, celui que Dieu t'a donné au maître vivant de ton époque et de son prophétique, écoute, il y a deux onctions qui se manifestent. L'onction de la royauté, yes, et l'onction pour le ministère. Amen. Come on. Si tu n'es pas prophète, tu es assis ici à l'école, tu n'es pas prophète, tu es homme d'affaires. Tu as tes business, même si ça ne va pas. Si aujourd'hui tu te connectes à ton prophète, il y a deux onctions qui vont couler. L'onction de la royauté pour ceux qui ne sont pas appelés au ministère, et pour ceux qui sont appelés au ministère, l'onction, les héritiers de l'onction. Alors comment se connecter à son prophète? Je vais faire ce qu'on appelle la démonstration par l'absurde. C'est-à-dire qu'on prend le négatif, on parle du négatif, et c'est le contraire que tu dois appliquer. Première chose, connecte, crois à ton père spirituel. Crois en lui. Même s'il te dit, allons-y, c'est où il y a la guerre? En Ukraine. Il dit, allons en Ukraine. Marchons pour partir. Yes. Il faut marcher avec lui. Amen. Le serviteur d'Élie n'a pas cru en lui. Lui a dit, papa, dans le pays là, faut te cacher. Tu sais, c'est Dieu même qui a fait qu'ils ne t'ont pas tué. Parce que Dieu a besoin de toi. Les fils conseillers donnaient des conseils à son père. Dieu a besoin de toi, papa. Tu sais, moi-même, j'ai une vision. Dans la vision, tu quittais ici. Tu es parti faire un programme quelque part. Hein? Et puis, Israël t'a suivi là-bas. Faut laisser là. Faut laisser. Le vieux. Les fils conseillers. Je ne suis pas en train de dire que les pères ne se trompent pas. Ils sont humains. Mais ce que je suis en train de te dire, lorsque Dieu te donne un père, qu'il soit dans l'erreur ou pas, suis-le. Voici comment tu pourras te connecter à lui et à son monde, comme notre frère l'a dit. Crois en ton père spirituel.
crois ce qu'il te dit. Même si il te dit, ce qu'il te dit ne colle pas à la réalité, crois à sa vérité. Yes. La vérité n'est pas, sinon je dirais la réalité n'est pas la vérité. Come on. Le prophète est celui-là qui est capable, comme je l'ai dit en entrée de jeu, d'appeler la matérialisation ce qui n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu n'as rien aujourd'hui, quand il te dit que tu es millionnaire, tu es milliardaire, tu vas dire non, mon père spirituel m'aime trop. Non, laisse-moi te dire que ton père, c'est Dieu. Connecte-toi à ce qu'il dit. Yes. Le serviteur d'Élie ne l'a pas fait. Deuxième chose, comment se connecter à son prophète et à son monde prophétique? C'est de le soutenir. Comment on soutient son père spirituel? On le soutient en priant pour lui et on le soutient en lui donnant nos 3 T. Come on. C'est quoi les 3 T? On a déjà parlé de ça ici. Vous allez sortir de la classe. Les élèves qui ne sont pas assidus. C'est quoi les 3 T? Temps, trésor, talent. Yes. La première chose, on a dit quoi? Croire en son père spirituel. La deuxième chose, c'est de le servir en lui donnant nos 3 T. Son temps. Lorsque Élie était en train de dire au peuple, dressez-moi les autels, son fils, son serviteur était quelque part là-bas. Il disait que c'était une perte de temps. Papa, ils vont te tuer. C'est une perte de temps. Son père lui dit, viens, on va faire. Il dit, non, il faut laisser, le vieux. Ton temps. Son talent. Pourquoi est-ce qu'il a été serviteur? C'est parce qu'il avait un potentiel. Si Élie se promenait avec lui, écoutez-moi très bien. Si ils ont tué tous les prophètes de l'Éternel, Élie est resté seul. En plus de son serviteur, c'est que son serviteur, il avait quelque chose aussi. Est-ce que vous savez que Élie était capable de quitter ici pour arriver en Espagne? En un clin d'œil. En un clin d'œil. Yes. Ça veut dire que son serviteur faisait ça aussi. Parce qu'il ne peut pas partir et puis il va dire, mon gars, il faut prendre billet d'avion, tu vas me rejoindre. Non, non, il lui avait donné le secret de l'invisibilité et de bim, bim. Comment? Disparaître, apparaître. Il avait un potentiel, mais il a refusé de donner son talent. On parle du talent. Yes. À son père. Son père comptait sur lui parce que son père savait que lui seul pouvait soulever les pierres, les déposer, soulever lui seul le taureau et l'égorger. Ils avaient l'habitude de faire les cérémonies ensemble. Ils avaient l'habitude de faire les rituels ensemble. Mais ce jour-là, il a refusé de lui donner son talent. Deuxième chose, donne-lui tes 3 T. Temps, talent, trésor. Le trésor, c'est quoi? Tes biens. C'est ta vie. Tu as quelque chose dont ton père a besoin. Tu as quelque chose dont Dieu a besoin. Donne ton trésor. Cherche à savoir comment se porte ton prophète. Tu vas te connecter à lui et à son prophétique. Yes. Est-ce que ce que nous disons te fait du bien? Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a personne qui remplit ces conditions-là. C'est quelques conditions que j'ai données en quelques minutes. Elle ne se connecte pas à son père spirituel, à son prophète et à son prophétique. C'est parce que nous n'avons pas assez de temps. J'allais pousser pour vous expliquer pourquoi Dieu a choisi Élisée. Pourquoi Dieu a choisi Élisée? Pourquoi il n'a pas pardonné aux serviteurs? Dieu pouvait pardonner aux serviteurs. Yes. Dieu pouvait même, Élie même pouvait négocier pour lui, pour dire, mais père, mon serviteur, il sait tout de moi. Il sait où je cache mes trésors.
Il connaît mon comment on appelle ça? Mon grenier. Il sait tout. Il a le code de mon coffre fort. Pardonne-lui ce qu'il a fait. C'est un enfant, il ne sait pas. Mais Élie n'a même pas plaidé pour lui. Quand tu ne respectes pas ce que tu as écrit là, Dieu ne te connaît pas. Hein? Non, il ne te connaît pas. Hein? Peut-être que le serviteur a demandé pardon à Dieu. Mais ce n'a pas, Dieu n'a pas regardé son pardon pour dire bon, viens quand même. Il a pris quelqu'un d'autre. Et lorsque, nous avons déjà terminé, il me reste 4 minutes. Lorsque Dieu a dit, tu vas prendre Élisée comme prophète à ta place. Lorsque nous poussons la lecture, nous voyons que Élisée était dans un champ. Élisée était en train de labourer le champ avec 24 bœufs. La Bible dit qu'il y avait 12 paires de bœufs. Ça fait combien? 24. Élisée était avec la dernière paire de bœufs. Yes. Pourquoi est-ce qu'il était avec la dernière paire de bœufs? Parce que la dernière paire de bœufs, c'était les bœufs les plus faibles. Les autres savaient déjà comment on faisait. Élisée était avec les deux derniers là pour les aider à travailler, pour leur montrer comment on fait. Dieu a vu le cœur de Élisée, un monsieur qui veut aider. Un monsieur qui n'est pas arriviste comme l'autre serviteur. Un monsieur qui prend les paires les plus faibles, qui les forme de sorte qu'elles soient fortes. Dieu a vu ça. Il a dit, Élisée, là, il peut être utile. Le jour que tu seras dans ce genre de choses, lui, là, il ne va pas te laisser parce que même quand on est faible, il est avec toi. Yes. Amen. Il peut arriver que tu voies la faiblesse de ton prophète. Il peut arriver que tu voies. Le synonyme de faiblesse, c'est quoi? Ses insuffisances. Mais comme Élisée, reste avec lui. Amen. Reste. Remarquez les gens qui quittent les églises là. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas exaucés. Hein. Seulement. C'est parce qu'ils ont vu certaines choses qui les déçoivent, qui les découragent. Donc ils sont papillons. Ils viennent ici. Quand ils finissent de sucer le nectar, ils vont ailleurs. C'est eux-mêmes qui ont sucé. Hein. Et puis ils vont dire la fleur est fanée. Ils vont ailleurs. Mais qu'est-ce que tu as fait comme Élisée? Est-ce que tu as cherché à parfaire les choses? Alléluia. Amen. Dieu peut donner tous les... Dieu est puissant. Hein? Dieu peut donner toutes les qualifications à un homme. C'est-à-dire que l'homme, lui seul, il vient, il place les chaises, comme nous sommes à l'église, il balaie, il se dédouble. Pendant qu'il prêche, lui-même, il se filme. Dieu peut faire ça, hein? Mais vous ne croyez pas. Non, sérieux. C'est-à-dire, l'homme de Dieu en train de prêcher, il se dédouble. Il a la caméra, il est à la lecture, il est chante, et puis vous êtes assis. Et puis il dit, hey, mon 2, chante. Hey, mon 3, tu me filmes bien. Dieu peut le faire. Mais il donne la vision à un homme. Et puis il t'appelle. Toi, assieds-toi, aide-le. Tu ne vois pas que c'est un privilège? Amen. C'est un privilège. Nous, on est prédicateurs, non? On yes. a chanté, non? C'est ça. Je ne jouais pas. Hein? Alléluia. Amen. Voici en quelques mots. Comment se connecter à son prophète et à son prophétique? Suivant l'histoire d'Élie, de son serviteur et de Élisée. On aura le temps d'aborder ça plus tard. Rentre en toi-même. Essaie de voir si ces éléments-là, tu es dedans. Si tu n'es pas dedans, dis à Dieu, donne-moi de bonnes dispositions. Tout à l'heure, on a lu quoi? Ésaïe combien? Ésaïe 1:19, qui dit, si vous êtes dans de bonnes dispositions et si vous écoutez, vous allez manger les meilleures productions du pays. Amen. Et je vous l'ai dit, il n'a même pas dit si vous faites des cérémonies, des sacrifices. Il dit, si vous êtes dans de bonnes dispositions,
Ce que tu as compris aujourd'hui, ce sont de bonnes dispositions. Amen. Si tu rentres dans cette disposition-là, lorsque Dieu va dire à son serviteur, qui veux-tu que je oigne, c'est comme ça on dit non, pour être président du pays, qui veux-tu que je bénisse, le prophète va dire ton nom. Amen. Le prophète va dire ton nom. Il va dire, cette autorisation que tu me donnes aujourd'hui, je veux que tu bénisses tel ou tel. Mais tant que tu ne remplis pas ces conditions, qui sont aussi simples, tant que tu n'es pas dans de bonnes dispositions, tu ne vas pas manger les meilleures productions du pays. Je termine avec ceci. Dieu, Jésus, a refusé des miracles. Vous savez ça? Il voulait. Il y a des gens qui ont demandé des miracles. Il a refusé. Jésus a donné son caractère à ses serviteurs. Ça veut dire que l'homme de Dieu avec qui tu es, si tu n'es pas dans de bonnes dispositions, il peut refuser ton miracle. Je dis là un peu fort, hein. Mais c'est ça. Non, tu n'es pas Dieu. Aïe, est-ce qu'il est Dieu? Il n'est pas Dieu. Mais il a des autorisations. Moi, je dis toujours aux gens, si tu n'es pas prêt à remplir ces conditions, si tu n'es pas prêt à être dans de bonnes dispositions, ne te rapproche pas d'un homme de Dieu. Reste loin. Et puis implore la grâce de Dieu. Mais si tu veux que le Dieu de la rapidité se révèle à toi, yes, fais tout. Sois comme Élisée, pas comme le serviteur de Élie. Et tu vas voir qu'en étant record, en étant record, Dieu va mettre sur toi l'onction de la royauté. Tu seras le Jéhu de ta famille et tu seras le Élisée de ta famille. Amen. Je dis, tu seras le Jéhu de ta famille et tu seras le Élisée de ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas parler à Dieu. Nous avons fini. Est-ce que le cours t'a fait du bien? Est-ce que tu as compris quelque chose? Dis à Dieu, je veux être dans de bonnes dispositions afin de me connecter au prophète, à mon père spirituel. Sois précis. Je veux être dans de bonnes dispositions afin de me connecter à mon père, le révérend Dolski Jaurès Yoro. Ce n'est pas de l'idolâtrie, non. Quand tu dis, Père, je veux être comme Élie. Quand tu dis Dieu, le Dieu d'Élie, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils ne te connaissent même pas. Tu ne les connais pas. Celui que tu connais, c'est le maître vivant de ton époque. Quand tu peux dire son nom dans tes prières, ce n'est pas de l'idolâtrie. Père, je veux être dans de bonnes dispositions et me connecter à mon Père spirituel, le révérend Le Seigneur sur et me connecter à son trône. Il règne pour toujours. Pour être à l'image de ce que Jésus a dit. Le
sarment. Le sarment et le sceptre. Seigneur, nous te prions. Mes yeux ont vu la de cette façon, nous prions que tu nous exauces. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Est-ce Amen. Que tu peux quand même donner une acclamation? Alléluia. Du message que nous avons entendu. Amen. Il est très bon orateur, le révérend prophète, le surnaturel, être capable de véhiculer autant de vérité en si peu de temps. Il n'y a rien de tel. Et là, je suis ici pour introduire l'arbre dont le fruit est passé tout à l'heure. Amen. L'arbre dont le fruit est passé tout à l'heure. Amen. Quand je venais, j'avais un peu froid. Je veux que nous acclamons le Seigneur pour... Alléluia. Gloire à Jésus. L'entrée de mon Père spirituel. Amen. Amen. Assois-toi royalement. Alors, comme je le disais, permettez-moi. Hein, quand je venais, il y avait un peu froid et j'ai pris ma boisson. Je n'ai pas eu le temps de boire comme je conduisais. Vous pouvez me permettre de boire rapidement à la chaise. C'est pas, ça gêne personne. Ça gêne quelqu'un? Mais je peux boire, non? Mais est-ce que c'est la boisson adaptée pour quelqu'un qui a froid? Et autres. Est-ce que vous me le conseillez même? C'est pas une mauvaise boisson, c'est du bon soda, mais quand même pour la circonstance, est-ce que c'est ce qu'il faut? Non. Donc je pense que je vais pas boire pour faire chanter. Peut-être que c'est trop glacé. Tiens. Quelle est la première chose que tu remarques? Je remarque que c'est chaud. D'accord. Est-ce que tu peux goûter quand même? Oui, oui, je vais pas te tuer. Papa, c'est doux. Mais c'est quoi? Ça a le goût de quoi? Du café. Amen. Amen. D'accord. La pensée que j'ai voulu véhiculer est déjà véhiculée. Est-ce que si j'ai froid, vous pouvez me conseiller quand même de boire du café ou du thé? Oui. Mais là, tout à l'heure, vous avez dit non. Juste parce que le café est dans une bouteille qui vous a fait penser à autre chose. Hey. Et dans votre esprit, vous avez déjà imaginé que c'était très froid, c'est du soda, c'est gazeux et autres, mais c'est du bon thé. Avec tout ce qu'on a mis à l'intérieur, ça donne de la force. Mais vous m'avez déconseillé, ça ne vous a pas attiré. Personne n'a eu envie de partager avec moi parce que l'apparence n'est pas ce qui est convenable. Je veux dire à une personne, selon notre thème, bâtir une église d'excellence doit aussi concerner comment soigner l'apparence des chrétiens eux-mêmes et l'apparence de l'église dans laquelle nous sommes. Amen. Il faut dire amen. Amen. Tiens. L'apparence est importante. La Bible dit que Dieu regarde au cœur, mais les hommes regardent à l'apparence. Donc, si tu es dans une disposition où tu veux attirer Dieu, il faut avoir un très bon cœur. Il faut soigner ton cœur. Mais si tu veux attirer les hommes, dans le ministère ou dans une activité quelconque, c'est sur l'apparence que tu dois vraiment te concentrer. Et ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que prendre soin du cœur ne s'oppose pas à soigner l'apparence. On peut avoir une très belle apparence tout en ayant un cœur disposé à l'œuvre de Dieu.
quand nous prenons le dernier livre de la Bible, la dernière fois que Dieu s'adresse à l'humanité, le livre d'Apocalypse, avant même que le message ne soit véhiculé au chapitre 1, l'orateur, l'auteur prend le soin de décrire l'apparence de la personne qui va lui parler. Il prend le soin de dire qu'il a des yeux rouges. Il prend le soin de décrire même ses vêtements. Il prend le soin de donner une description de son aspect. Ça, c'est la dernière fois que l'homme reçoit un message de la part de Dieu. Je pense que cela est suffisamment important pour que nous sachions que notre apparence compte dans l'œuvre de Dieu. Amen. Nous allons nous tenir debout. Yes. Si tu veux acclamer, acclame bien. Alléluia. Amen. Nous sommes chanceux ce matin parce que nous avons parmi nous quelqu'un qui a des messages, les bagages nécessaires pour nous permettre d'être transformés de l'intérieur tout en étant absolument excellent de l'extérieur également. Je voudrais, mesdames et messieurs, que nous puissions acclamer puissamment le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Yes. Amen. C'est une grande chance. Amen. C'est une bonne opportunité. Il y a les membres du collège pastoral ici. Il y a des personnes qui sont laïques, qui sont en face de moi. Il y a des hommes de Dieu venus d'ailleurs. Je ne sais pas d'où vous venez, je ne sais pas comment vous êtes rentrés ici, mais ma plus grande certitude en ce matin, c'est que lorsque vous allez écouter mon père spirituel, lorsque vous allez écouter cet orateur de ce matin, vous allez absolument ressortir d'ici en étant excellent. En étant excellent. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la vie quotidienne, en étant excellent. Tu dis pas un amen excellent, hein? Non, le amen excellent n'est pas trop brillant. Il est justement dosé. Amen. Est-ce que tu peux dire un amen excellent? Voilà, c'est ça. Le amen excellent est toujours accompagné d'un sourire. On sent qu'il n'y a pas de pression dans l'excellence. Il faut dire amen. Donc ce matin, il viendra et il va nous dire des choses de vie. La Bible dit que Pierre a dit à Jésus, tu as les paroles de la vie. Et lui-même Jésus a dit, les paroles que j'ai, mes paroles sont esprit et vie. Ça veut dire quand il parle d'une chose, la chose existe réellement, mais la chose est un esprit. Donc, s'il te parle de l'excellence, non seulement tu apprends les béaba, mais un esprit d'excellence vient te prendre. Parce que lui-même, il a l'esprit de Dieu. Et l'un des signes qu'un homme de Dieu a l'esprit de Dieu, c'est qu'il est capable de communiquer ses grâces, c'est qu'il est capable de former des personnes à son image. Et avant même que mon Père ne vienne, je voudrais que vous puissiez acclamer le Seigneur pour recevoir l'une des reproductions, le prophète Chantry Bondo. Alléluia. Prenez place, s'il vous plaît. Nous sommes au cœur de ce séminaire qui a commencé depuis hier. Et notre Père spirituel a amorcé ce message autour de la crucifixion de Jésus-Christ. Et nous avons plusieurs questions qui nous sont parvenues au travers de nos enseignements, la communication a fait un sondage. Et parmi ces questions, il y a une interpellation au sujet de l'origine même de la crucifixion. Il y a l'origine de la crucifixion. Nous avons dit, pour ceux qui ont lu d'ailleurs le résumé sur les réseaux sociaux, que la crucifixion tire ses origines des Romains. Donc ce n'est pas des Juifs.
Nous avons dit des Romains, il y a plusieurs personnes qui ont dit que c'est, ça vient des Juifs. Et tout à l'heure, nous allons comprendre pourquoi est-ce que l'homme de Dieu dit que ça tire ses origines des Romains. Alléluia. Et la deuxième question qui fait l'objet de notre étude, qui attire l'attention de tout un chacun et qui a suscité beaucoup d'interrogations, c'est pourquoi est-ce que l'homme de Dieu a-t-il dit que Jésus-Christ ne voulait pas que ses jambes soient brisées? Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas que ses jambes soient brisées à la croix? Alléluia. Et l'homme de Dieu qui est bien placé, c'est un parolier, c'est un père qui a percé les mystères, qui a révolutionné le corps du Christ en Côte d'Ivoire et dans la francophonie tout entière, va nous permettre de comprendre. Il est d'ailleurs professeur à une école des prophètes qui aide les hommes de Dieu et même les laïcs à marcher dans le surnaturel. Je voudrais ici, sous nos acclamations, sous une énergie qui déborde et qui est prête à recevoir la bonne parole, nous allons recevoir notre Père spirituel, j'ai cité l'évêque son excellence, Doxy Joès Yoro. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Vous êtes remplis d'onction. Assieds-toi royalement. Alors, vous êtes plus nombreux que à l'habitude hein, quand on fait l'école du ministère. Mon thème que je dois développer, le thème de base, hein, nous avons écouté tout à l'heure le discipula avec le prophète le surnaturel. Et une très belle introduction sur comment bâtir une église d'excellence sous une onction prophétique. Ça, c'est mon thème. Donc, je récapitule le thème. Le premier thème que nous avons écouté, c'était le discipula et comment se connecter à son prophète. Et moi, c'est bâtir une église d'excellence sous une onction prophétique. Mais avant, comme nous on a l'habitude de faire, un séminaire commence toujours par un culte du dimanche. Et on a traité le culte du dimanche, j'ai prêché en quelques minutes. Mais en quelques minutes, on a fait des sondages. Il y a vraiment beaucoup de questions. Et il va nous lire la question. Alors, parmi comment ça a été dit vraiment dans le commentaire. Et en plus dans les inbox. Alors, dans les commentaires, nous avons une question de l'un de nos internautes. Mm-hmm. C'est M. Narcisse Mbayo qui dit « Mauvais début » par rapport à notre résumé, sans doute, et mm-hmm. le culte d'hier. « La crucifixion est d'origine juive. Beaucoup de spéculations dans le message. » Amen. Alors, nous allons lire rapidement le résumé du culte d'hier. Nous lisons le résumé qui est sur Internet. Alors, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, nous servons toujours des séminaires pour profiter. Nous profitons toujours du moins des séminaires pour inviter les croyants à s'abonner à la page MRI et à toutes les autres pages annexées à la page de l'Église. Donc, maintenant même, en fait, tu suis, mais peut-être que tu n'es pas abonné. Donc, il faut profiter. Tu aimes la page. Maintenant, on donne 90 secondes pour le faire, vous abonner et puis vous exigez que vous soyez favori. Vous faites abonner, il n'y a pas de défaut, il y a favori. Vous allez sur favori pour recevoir en premier toutes les notifications MRI et toutes les autres pages annexées sont équipe de louange MRI. Vous pouvez cliquer aussi. Nous avons une autre page qui est ma page personnelle qui est Dolski Joès Yoro. Là-bas, par exemple, je ne partage pas tout ce qui est église parce que en dehors d'être un pasteur, je suis leader d'opinion. Et donc là-bas, je me concentre beaucoup sur des objectifs de la société, géopolitique, etc., etc. Donc vous pouvez vous abonner. Nous avons la page du prophète l'ange Emmanuel Dolski que vous devez retrouver absolument et vous abonner. Nous avons aussi la page du prophète le surnaturel Dolski. Vous cliquez, vous vous abonnez et nous avons la page du prophète Isaiah Dolski. Retrouvez ça, vous vous abonnez. Ce sont vraiment les pages majeures
ou quand vous êtes abonné, vous êtes richement béni et nourri par la parole de Dieu. Amen. Alors, hier, nous avons eu un culte formidable. Le résumé est déjà sur les réseaux sociaux. Mais nous, nous avons quand même une préoccupation sur comment les gens ont reçu la parole de Dieu. Donc, nous avons un moteur de community manager qui permet d'écouter, de recenser les questions vitales pour qu'on puisse aider vraiment le peuple de Dieu à être détendu quand, après avoir écouté la parole de Dieu. Et parmi, hier, pendant le checking, ils ont constaté que la question revenait beaucoup parce que j'ai dit comme ça rapidement que la crucifixion est d'origine romaine. Elle n'est pas juive, elle est d'origine romaine. Et ça revient, ça revient, ça revient. Et puis, d'autres veulent qu'on revienne sur le rapport entre pourquoi Jésus ne voulait pas qu'on casse son pied, qu'on brise son pied. D'autres même ne savaient même pas que c'était dans la parole de Dieu. Donc, on va revenir rapidement dessus et je vous donne mon message en quelques minutes. Amen. Amen. Alors, on écoute un résumé, le résumé d'hier. Résumé du culte d'hier. Marc 15, 23. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Résumé. La crucifixion est à l'origine romaine et non juive. Yes. Chez les Romains, la peine était parfois précédée de supplices préliminaires, c'est-à-dire des flagellations, censées préparer le condamné au crucifiement sans l'achever prématurément. Les bourreaux romains, experts en la matière pour ce mode d'exécution, pouvaient ainsi prolonger l'agonie de 2 ou 3 jours. Mais cela n'arrangeait pas le plan de Dieu, car si le crucifié tardait un peu trop à mourir au point de passer le délai prévu pour accélérer la mort, les membres du condamné devraient être brisés à la barre de fer pour que la suppliciée, ne pouvant plus alors se redresser, puisse s'épuiser plus rapidement. Or, relativement à la loi juive, si la jambe du crucifié était brisée pour accélérer la mort, cela profanait l'essence du sacrifice. C'est justement à cause de cela que Jésus a refusé de boire le vin et la myrrhe, car cette mixture était un anesthésiant qui allait l'aider à résister à la douleur et retarder sa mort. Moralité. Jésus a refusé d'atténuer ses douleurs et souffrances. Il a choisi de l'assumer. L'Église devrait prendre exemple sur ce cas. Ce message s'adresse à cette génération d'aujourd'hui qui a peur de souffrir et recherche la facilité. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Alors, je vais insister, je vais expliquer d'abord, ok? Je crois que c'est un peu académique, je vais dire de façon terre à terre. Le test de base d'hier, c'était quoi? Romains. Marc 15, 23. Écoutez, le Seigneur a refusé de boire la myrrhe, on lui a donné la myrrhe, il a dit j'ai soif. On lui a donné le vin et la myrrhe, et j'ai dit que le vin et la myrrhe étaient appelés dans une autre version le vinaigre. Il y a même une version qui dit qu'il a bu. Vous savez, il a bu tout en serrant les dents, en serrant les lèvres, il a fini par boire. Mais ce pourquoi il ne voulait pas ingurgiter totalement ce produit-là, c'est parce que ce produit-là permettait de résister à la douleur. C'était à la fois un anesthésiant, mais aussi un sédatif. Et c'est les soldats romains qui l'utilisaient régulièrement. La crucifixion, celle qui est présentée pendant plusieurs siècles dans les médias, c'est-à-dire avoir cette position, bras ouverts, ligotés, bailloté et cloué, vient de Rome et non d'Israël. En Israël, c'est la lapidation. Et on pendait au bois. Comment on pendait au bois? En Israël, c'est très différent de la crucifixion chez les Romains. Et ce pourquoi les Juifs sont allés voir Pilate pour obtenir une décharge,
hein, du parquet, une décharge pour condamner, c'est parce que c'était eux qui étaient en ce moment les potentats. Politiquement, c'est eux qui devaient décider. Et les prisonniers qui devaient mourir à la croix, justement, n'étaient pas des prisonniers juifs, qui est d'accord avec moi. C'est des prisonniers qui étaient condamnés par Rome. Donc, Rome n'exécute pas ses prisonniers dans un camp des juifs. Rome condamne ses prisonniers de façon politique, mais de façon romaine. Et donc, la crucifixion est romaine. Amen. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs documentations qui en parlent. Sur Wikipédia, on voit déjà dans l'encyclopédie quand on parle du crucifiement ou crucifixion. Là-bas, c'est très bien expliqué que chez les Romains, d'ailleurs, la crucifixion qui était inspirée soit par, tantôt par des Japonais, mais c'était des pratiques très anciennes. Et chaque peuple avait sa manière de crucifier. Amen. Amen. Alors, chez les Romains, cette peine est infamante et réservée en général à ceux qui ne sont pas citoyens romains. Donc voilà l'une des preuves, et c'est pourquoi les Barnabas, tout ça, qui n'étaient pas forcément romains, ont été condamnés. C'est pour des esclaves, et c'est appliqué ensuite aux brigands et aux pirates, parfois aux prisonniers de guerre et aux condamnés pour motifs politiques et exceptionnellement à titre d'humiliation supplémentaire. Alors, les Romains, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eux, quand ils attrapent un condamné, ils vont le bailloter, mais ils vont le flageller. Et ils trouvent un plaisir à voir souffrir le condamné durant longtemps. Donc, ils avaient des techniques médical pour que le prisonnier ne meure pas vite. Et ça durait entre 1, 2 et 3 jours. Et tout ce que je dis, ces références-là, il y a des livres d'histoire qui en parlent. Mais vous pouvez tout simplement aller sur Google. Dans Google, vous tapez « crucifiement ». Vous allez voir le document qui en parle. Donc, chez les Romains, il faut durer 3 jours. À la croix, tu ne meurs pas. C'est-à-dire, ils t'enlèvent, t'arrachent la peau, ils te coupent une partie de l'oreille et tu dois souffrir pendant longtemps. Mais par contre, dans le plan des Juifs, ce n'est pas grave quand quelqu'un dure. C'est les Romains. Mais dans le plan de Dieu, Jésus-Christ était un sacrifice. Et je vais vous donner des références sur le rapport entre ce que j'ai dit concernant la crucifixion romaine, d'origine romaine, et ce pourquoi Jésus ne voulait pas durer à la croix vivant. Mais avant cela, je vais vous donner une référence biblique qui va vous plaire. Être pendu au bois, c'est vrai, est juif, mais c'est différent de la crucifixion. Amen. Vous allez prendre la parole de Dieu maintenant, dans Exode 12, le verset 43. Exode 12, verset 43. Quelqu'un d'autre va prendre Deutéronome 21, verset 22. Commence par Deutéronome 21, verset 22 à 23, s'il te plaît. Deutéronome 22, verset 21 à 23. Uh-huh. On fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de Deutéronome son père. Deutéronome 21, 22, c'est ça? 21. Si l'on fait mourir un homme. D'accord. Deutéronome 21, verset 22. Uh-huh. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'es pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois. Amen. Amen. Donc ça veut dire qu'en Israël, il y avait quelque chose qui ressemblait à la crucifixion. Amen. Mais quand on disait être pendu comment? Au bois. Le deuxième texte biblique, Exode 12, verset 43. Exode 12, verset 43. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera.
45, l'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. Amen. Non, ça, on va revenir à ça. Alléluia. Amen. On va revenir à ça. On va revenir à ça tranquillement. Je vais donner un autre texte biblique rapidement. De Samuel 4, verset 12, vous allez voir la crucifixion chez les Juifs. Quand on dit être pendu au bois, vous allez voir que c'est différent des Juifs par un indice. On y va. Donc, on sait déjà, on est tous d'accord que les Juifs pendaient au bois, n'est-ce pas? Mais est-ce que leur manière de tuer leur criminel est similaire à celui des Juifs? Voici un indice. De Samuel 4, 12. Uh-huh. Et David ordonna à ses gens de les tuer. David ordonna à ses gens de les tuer. Ils leur coupèrent les mains et les pieds. Ils leur coupèrent les mains et les pieds. Et les pendirent au bord de l'étang d'Hébron. Et il les pendit au bord de l'étang d'Hébron. Continue. Ils prirent ensuite la tête d'Ish-Boshef. Yes. Et l'enterrèrent dans le sépulcre d'Abner à Hébron. Dis amen. Amen. Et David ordonna à ses gens de les tuer. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il leur coupèrent les mains et les pieds et les pendit au bord de l'étang. Donc, la pendaison juive, là, quand on dit on les pendit au bois, il y a une preuve ici scientifique. C'est que il y a absence de crucifixion dans le sens de clouer la main. Puisqu'on a réussi ici à pendre qui? Des personnes dont on a coupé la main et les pieds. Et en Israël, on pendait les gens, comment je vous explique? On plantait un pieu. Et ça, on le faisait même pour les esclaves, mais en miniature. L'esclave qui ne veut pas être libéré, on le mettait à un pieu, on mettait l'oreille et on mettait un poinçon dans le pour faire une boucle d'oreille. C'est le même pieu qu'on prenait pour exécuter les criminels. Un pieu pointu. Et vous savez, la majorité des peuples ont été inspirés d'Israël. Ici, par exemple, il y a un peuple en Côte d'Ivoire qu'on appelle les Ojukru. Ils sont inspirés d'Israël. Il y a les Dan, donc les Yakuba, là. Beaucoup sont inspirés d'Israël. Les Éthiopiens également, et même les Sud-Africains. Vous allez remarquer que Shaka Zulu, il pendait ses prisonniers de guerre au bois. Comment? On met un pieu et on les suspend dans le bois. C'est comme ça qu'en Israël, la pendaison se faisait. Comment? C'est très opposé, très différent de celui d'Israël. Alléluia. Amen. Donc, on les pendait au bois. Et je vais vous inviter à faire des recherches. Vous allez voir un livre qui est écrit par Martin Rose. Vous cherchez, ça s'appelle « Maudit quiconque est pendu au bois ». Et quand vous voyez bien la page du livre, vous allez voir comment on pend au bois les individus. Alors, Ebenezer, tu t'apprêtes, tu vas recevoir. Je ne sais pas si on peut voir ici de loin. Des recherches archéologiques l'ont démontré. Voilà. Vous voyez un peu, voilà. On vous fait coucher sur le pieu, côté poitrine. Donc c'est comme ça qu'en Israël, on pendait au bois. Et le thème pendre au bois est très différent de crucifixion. Ça se voit ou pas? C'est devenu noir. Voilà. Donc pendre au bois, c'est de suspendre quelqu'un sur le bois en Israël, au chaud soleil. Soit. Mais dans le cas de David ici, lui, il a exécuté avant de les pendre au bois. Mais le fait de les pendre vient de la culture qu'ils avaient. Voici un peu juste la nuance. C'est bon? Yes. Mais la crucifixion, elle est romaine. Elle consiste à suspendre quelqu'un et à écarter ses bras sur un bois en forme de T. Et c'est comme ça que Jésus voulait mourir. Amen. Amen. Mais le fantasme des Romains, c'est qu'ils voulaient que le corps dure. Ils veulent que